Poste 5 à Central K. Poste 5, signal à Chase Towers. 175, parc gros, signal odeur suspecte, possibilité homicide. C'est pas très loin d'ici. Rappelle-les. Appel enregistré. Nous nous rendons immédiatement sur les lieux. Poste 5, 10-4. Lieutenant? Oui, Gus. Bon, nous avons un problème. Ah, c'est grave pour m'appeler alors que je suis de repos. Stern et James pensent avoir découvert un meurtre à Chase Towers. Découvert comment? À l'odeur. D'accord, vous allez tous les deux sur place. Si ça vaut le coup, rappelez-moi. Et si c'est du banal, vous faites vous-même le rapport. Oui, d'accord. Allô? Bonjour. Bonjour. Tu as oublié quelque chose? C'est la bretelle qui a lâché. Ça te laissera un souvenir. J'imagine avoir été un peu brusque. Tu veux dire féroce? Et tu t'en plains? Non, rien à redire. Je pense que je te dois un dîner. Je t'appellerai plus tard. Oh, je suis désolée. Je suis déjà prise. Tu as des projets? Oh, Daniel, tu sais mieux que moi. Je ne te pose pas de questions, alors fais la même chose, s'il te plaît. Selon tes règles. Ouais. Je t'appellerai. J'aimerais bien. À plus tard. Un meurtre, c'est pas de problème. Appelle le chef, dis-lui de venir ici sur le champ. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Pas beau à voir, lieutenant. Rien sur la victime? Oh, une femme blanche du nom de Sarah Essinger, 34, 35 ans, vivant seule, du genre calme. Personne ne semble vraiment la connaître. Une femme mystérieuse.
Qui est entré? Jacques, Starling, Beau et moi. Bien, faites en sorte que personne n'entre à l'intérieur. Et je dis bien personne. Ah. A-t-on prévenu, Forensic? Il doit arriver bientôt. Salut les mecs. Lieutenant. Ah, chef. La gonzesse a dû sacrément se débattre. Ou alors quelqu'un cherchait vraiment quelque chose. Combien de temps, à votre avis? Lieutenant. Une semaine. Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Ses mains étaient attachées dans le dos. Hein, Smith et Wesson, peut-être qu'on pourra l'identifier. Allez, on s'y met. Quand Forensic arrivera, je veux que le meurtre soit reconstitué de façon exacte. Ils vont pas aimer ça, lieutenant, c'est trop de boulot. Ouais, mais c'est ça notre boulot. On le fera étape par étape. On commencera par l'immeuble. Il y a bien quelqu'un qui la connaît. Je veux savoir qui, quoi, où et comment. Et pourquoi. Beau. On va. Vite, Quasimodo, mes outils, nous avons de la viande fraîche. Qu'est-ce qui t'amène dans mon laboratoire? Sarah Isinger. Oh, hey, Dan, laisse-moi respirer un peu. Je pense que le mec lui en voulait beaucoup, tu sais. J'en ai même pas fini avec le préliminaire. Je prends ce qu'il y a à prendre. Ah, Danny. Je vais te dire un truc, ça va être une sacrée partie de devinette, ok? Ouais, bien sûr. Bon, alors, me casse pas les pieds. Voilà, on arrive. Fracture du crâne, la mâchoire inférieure brisée, probablement des côtes cassées. Le muscle abdominal et l'aorte semblent atteints. Qu'est-ce qui l'a tué? Sûrement d'avoir été noyé. Il semble y avoir quelques traces d'eau dans les poumons. Apparemment, il respirait encore quand les mecs l'ont jeté dans la baignoire. Les mecs? Bah oui, même King Kong n'arriverait pas à maintenir une femme en l'arrangeant comme ils l'ont fait. Et rien d'autre? Il semble qu'on ait retrouvé des traces de peau et de cheveux sous les ongles. Qui voudrait dire qu'elle s'est débattue. On pense qu'il s'agit d'un type de race blanche aux cheveux blancs. J'ai pas encore reçu le rapport du labo, mais dès que je l'ai, je te l'envoie. Merci, Sam. Eh, Dan, je t'invite à déjeuner. J'ai un foie congelé, trempé dans une sauce aux oignons avec une saucisse fraîche. Et on s'enverra une ou deux ampoules de sang. Est-ce que quelqu'un te regrettera? Et voilà la suite, les suppléments de déposition, lieutenant. De nouveaux indices? Non, pas encore. Malone. Ici le capitaine Madwick de la direction de la police judiciaire. Oui, capitaine, je peux vous aider? Le patron m'a demandé de vous appeler. Il veut savoir s'il n'y a rien d'étrange sur l'affaire Essinger. Rappelez-moi votre nom, capitaine. Emma D.V.I.C.K. Une minute, je vais vérifier. Gus! Oui? Appelle la direction de la judiciaire. Nom capitaine Madvik, M-A-D-V-I-C-K. Capitaine, désolé de vous faire attendre. Avez-vous découvert des preuves physiques?
matériel inhabituel. Franchement, j'ai quelques problèmes. En tout cas, ici, nous retenons la thèse du meurtre. En effet, vous avez des problèmes. Oui, merci. Pas de capitaine Madvig à la direction de la judiciaire. Personne de ce nom. Et sur Essinger, quelque chose d'intéressant? Non, rien, chef. Chéquier, clé, 32 dollars, monnaie, maquillage, portefeuille, lime à ongles, que dalle. Bon, commençons à reconstituer les faits. Starling, qu'est-ce que t'as? J'ai suivi la piste de son numéro de sécurité sociale et avec, j'ai trouvé un des endroits où elle a travaillé. Rien des voisins, chef. Il n'y a ni carnet d'adresse, ni numéro de téléphone, ni lettre. Pas d'objet personnel. Comme si elle n'avait jamais existé. Forensic. Bravo! Voilà ce que votre recherche efficace a donné. C'était dans le livre de cuisine, je ne pense pas que la victime s'en souvenait. Demandez à l'identité de retrouver la brune. La serrure n'a pas été forcée ni cassée, ce qui veut dire que la victime lui a ouvert. Et les empreintes, Jack? Rien. Hier soir, je suis passé sur le lieu du crime. Et j'ai trouvé ça. Savez-vous ce que ça veut dire? C'est de l'hébreu. Des adresses, sans doute. Il existe peut-être des planques spéciales pour les assassins pratiquants. Mais les juifs pratiquants ne fréquentent jamais des lieux malfamés. Fais-le traduire, s'il te plaît. Oui. Mais cette clé ouvre quelque chose? Pas dans l'appartement. Vérifie à l'enregistrement des commerces et trouve qui l'a faite et pour qui. C'est comme si c'était fait. Et à propos des menottes?
Rien encore, nous attendons toujours les renseignements de Smith et Wesson. Bon, alors retournez à l'immeuble. Vérifiez les appartements non visités. Bonjour, je suis détective à la police de New York. Il y a eu un meurtre dans cet immeuble. Non, grade matricule, mon pote, tu vends. Bonjour, mon nom est détective Gustave Stam. J'enquête sur... T'as l'air d'avoir soif, mon chou. Tu veux un verre? Oh, c'est mon appartement. Ah, vous êtes le 49. Et vous placez des assurances. Et si vous ne me dites pas tout de suite qui vous êtes et ce que vous voulez, je vais pousser le cri le plus perçant que vous n'ayez jamais entendu. Je suis le détective Beau Davis, de la police de New York. Oh. Je m'appelle Janet Fox. Ravi de faire votre connaissance. Comment allez-vous? Je suis ici pour le meurtre de Sarah Isinger. Oh oui, Sarah. Oh, c'était une fille sympa. Vous la connaissiez? Oui, nous étions amis. Voulez-vous entrer? S'il vous plaît. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Oh, pas grand-chose, vraiment. Elle travaillait, plutôt calme. De la crème? Non, noir. Sa vie sexuelle? Oh, vous allez directement au but, vous. Oh, j'ai vu un homme. Il pleuvait et Sarah est sortie de sa voiture. Quelle marque? Oh, je ne sais pas, une rouge de luxe. Il était jeune ou vieux? La trentaine, le teint clair. Cheveux? Noir. Marron foncé. Rien d'autre? Non, je suis désolée. Je suis surprise déjà de me souvenir d'autant de détails. Non, non, vous répondez bien. Oh, attendez, il y avait autre chose. La dernière fois que Sarah était là, elle m'a laissé ceci. La Bible? Oui, elle m'a parlé d'une chanson et elle est partie. Ah, elle paraissait très inquiète. Alors, inspecteur Zambrano, vous regardez où le soleil ne brille pas? J'aime ce qui brille, Dan. Allez, viens, on va discuter. Il va y avoir une cuvée spéciale, hein? Oh, mon Dieu! Son nom? Marie Collins. Nom de jeune fille? Harrison Collins. C'est du silicone? Vraiment merveilleux. Vous perdez jamais l'équilibre? Ce café, c'est comme le premier baiser d'une jeune fille laide. Rien de terrible, mais réconfortant. Et maintenant, elle me brise le cœur. Je pensais que c'était ton jour de congé, hein? Quelquefois, les meurtres arrivent à un jour de congé. Dis pas que t'es marié avec ton boulot, Dan. Il te traiterait comme une pute au pire. Trouve-toi une jolie Italienne et fonde une famille. N'oublie pas que j'étais marié. Oui, je me souviens. Comment va l'affaire Isinger? Nous n'en sommes que début. T'as besoin d'aide, hein? Non, si oui, je te préviendrai. Pour ce que ça en vaut la peine, cette affaire passionne le boss. Vraiment? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Ouais, c'est comme si tu marchais sur des œufs. C'est ce que j'aime dans ce boulot. C'est que quand tu marches à côté de tes pompes, toi, t'as une drôle de sensation. Mais personne ne le remarque. T'as bien raison, mon petit Dan. On fait un boulot super. Jamais le temps de bouffer, de dormir et des fins de mois de magnat du pétrole. Ah, c'est le dîner que tu me dois. Ah, je te fais une faveur. Il y a moins de calories. Dis ça à la saucisse. Tiens, ton soutien-gorge.
et j'ai réparé la bretelle. Depuis quand as-tu appris à coudre? Depuis que j'ai trouvé 10 chemises dans mon tiroir sans boutons. Je te posais des questions au sujet d'une femme. Oh, quelqu'un que je connais. Christina retira sa robe, ses bras tendus. Elle priait pour que Jefferson ne découvre pas son passé secret. Comme il l'attirait plus près, elle pensait à Davis et à ses bras qui étaient plus forts. Tu as lu mon nouveau livre? La colère de Christina, 200 pages d'évasion. Alors c'est ton 8e roman d'amour. Tu dois être une experte en l'âme féminine. Non, plutôt des romans à l'eau de rose, mais j'aime mieux tes descriptions. Quel est le genre de femme qui habite un appartement aseptisé? Achète des vêtements bon marché. Pas de maquillage, pas de message téléphonique. Rien de personnel, rien de privé. C'est facile, ce n'est pas une femme, c'est un fantôme. Lieutenant! Je dois partir. Oh, rien de nouveau. Merci pour le dîner. Fais attention, cette bretelle, elle va pas durer longtemps. Horreur! Excusez-moi, chef. Salut. Les menottes ont été achetées sous un faux nom. C'est une impasse. Et quoi d'autre? La sécurité sociale nous a communiqué l'employeur des Singer. C'est une compagnie d'air cargo de Long Island, mais Hank. Quoi? Ils sont inconnus au bataillon. Enfin du nouveau. Graham, Zion, Lincoln, ministère du Travail des États-Unis. Nous sommes en mission officielle. Donne-lui aussi tes noms ethniques. Que voulez-vous? Nous savons que votre compagnie a violé les lois du Code du Travail. Nous aimerions parler à votre patron. Entrez. Merci. Par ici. Qui êtes-vous? David Dancori. Je suis étudiant en théologie. Monsieur, le ministère du Travail. Vous êtes policier. Quelle fonction? Comment savez-vous que nous sommes des policiers? Vous en avez l'odeur. Vos cartes, s'il vous plaît. Ça vient juste d'être officialisé. Coopérez ou je vous arrête. Et j'adopterai une attitude différente, me comprenez-vous? Reste calme, mec. Très calme. Je suis Yakov Anderman. Que voulez-vous? Nous enquêtons sur le meurtre de Sarah Isinger. Elle travaillait ici. Elle nous a quittés il y a 3 semaines. Pourquoi? Elle devenait perturbée par le grand rêve américain, parcourant les plages avec sa poitrine à l'air, écoutant les forces cosmiques et les vagues qui s'écrasent sur le sable. Quel était son travail? Mettre à jour l'inventaire et s'occuper des horaires d'expédition. Quelle sorte d'inventaire? Machine industrielle de haute précision. Apportez-moi son dossier personnel. Le voilà. Parents décédés.
Pas de famille connue. Diplômé de Columbia, parlant 4 langues. Pas le genre de quelqu'un qui s'occupe de machines industrielles. Son propre choix. Connaissez-vous la petite brune? On dirait que la photo date un peu... Non, désolé. Avait-elle des amis ici? Oh, elle faisait bien son boulot. Shalom, monsieur l'agent, je dois aller vider des caisses. Je pense que vous trouverez la sortie. Il m'a tout l'air d'une crapule prétentieuse. Il possède une surveillance vidéo et un système d'alarme. Il n'y a pas de loi contre la sécurité. Oui, mais il a menti. Il mentait quand il a dit ne pas connaître la brune. Il a aussi menti sur Essinger. La femme qu'on a trouvée dans la baignoire n'a jamais été fascinée par les forces cosmiques et les vagues qui s'écrasent sur le sable. Ce type est un pro. Fais-le suivre. Et fais attention. Bonjour. Dernier appel, Malone. Laissez tomber l'affaire Essinger. Vous êtes à côté de la plaque. Du nouveau, chef. La brune s'appelle Andrea St. James. Elle est dans une boîte de nuit. Elle est hôtesse. Allez la chercher. Et rien d'autre? Bon, j'avais raison, hein. On a des adresses 5 dispersées dans la ville. À présent, on ne s'occupe plus de la hiérarchie. Quelqu'un là-haut ne nous aime pas. Un appel pour qu'on aille chercher la fille St. James. Je n'aime pas du tout ça. Vous voulez que je lui parle? Trouvez ce qu'elle sait. Faites-lui tout déballer. Cette fois-ci, pas de cadavre derrière. Hein? D'accord. SOD9, quelle est votre situation? À vous. SOD9, à Centrale. Christophe 9, à vous. SOD9, 10-1, vos directives. À vous. SOD9, 10-4. Alors, faites-le rentrer. Ce vieux Dan, qu'est-ce qui t'amène dans ce quartier luxueux? Ah, j'ai besoin d'une faveur. Tu veux être canonisé? J'ai besoin de savoir exactement qui sont les locataires de ces endroits. C'est une église, Dan, pas le FBI. Est-ce que anglais et hébreu? Qu'est-ce que c'est? Un test linguistique? Non, ce sont des adresses. Effectivement, je le vois bien, ce sont des adresses. Alors? Tu as tes propres sources. J'ai bien peur qu'elles soient un peu douteuses actuellement. Qu'est-ce qui te fait croire que j'obtiendrai ces renseignements sans fuite? Parce que tu as tes propres limiers qui ont l'habitude de ces affaires délicates. Et qui peuvent obtenir discrètement des informations si la bonne personne pousse sur le bon bouton. Dan, l'église ne peut pas s'occuper d'intrigues laïques. On a assez à faire avec nos problèmes. Oh, tu as ma parole. À l'exception de moi et de mes détectives, personne n'en saura rien. Je vois ce que je peux faire. Bon, je sais. Tu es tout puissant, Mac. À plus tard.
Une question de chiffres. Mais pourquoi tout est aussi compliqué? Compliqué et en 3 exemplaires. Travail de routine, Mademoiselle Fox. Nous devons nous assurer de l'exactitude des faits. Janet. Janet. Marie. Oui. 15 ans. Ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. Mais pour les bonnes, je suis quasiment en instance de divorce. Serrure 2000. Vous fabriquez des clés plaquées or. Ah, mauvaise nouvelle, chef. La fille, Andrea St. James. Il n'y a aucune trace d'elle. Elle a disparu. Lieutenant, j'ai trouvé un serrurier qui fait des clés plaquées or pour un club super chic à l'est de la ville, l'Interlude. Oh, c'est là que la fille Andrea St. James travaillait comme hôtesse. Et quel est le rapport avec l'affaire Essinger? Ben, il n'y a qu'une manière de trouver Starling. Ces deux mecs ont l'air suffisamment chic. Je me suis toujours trouvé un très beau look. Deux bourbons avec de la glace. Offrez aux dames ce qu'elles désirent. Bonjour. Bonjour, vous êtes nouveau? C'est la première fois, et ça ne sera pas la dernière. Je suis contente de vous l'entendre dire. Première tournée auprès de la maison. Vous appartenez à la maison? Donnez un nom à votre poison. Est-ce qu'Andrea est là? Non, je ne l'ai pas vue depuis un jour ou deux. Où la trouve-t-on d'habitude? Et quand elle est ici, elle a une pièce en haut. Oui. Ça vaut la peine de vérifier. Mmh, je suis ouvert à tout. J'enveille mon verre, chérie, je redescends. Sûr. Sonia. Potty est en bas, messieurs. Adios. Mais son nom n'est pas Potty, c'est Patty. C'est bien ça? Exactement, Steve. Taille 38C. Ah, t'as mesuré? Après toi. Oui, si t'insistes. Essayons de la faire sortir d'ici. Non. Non, tout va bien. Nous ici pour vous aider, pour vous faire sortir. Tout va bien. On va vous faire sortir. Restez tranquille. Tout ira bien. Tout ira bien. Oh. Voilà. Ça va. Quel est le verdict, docteur? Je l'ai tiré d'affaire, mais elle doit rester sous surveillance médicale. Merci. De rien. Qu'est-ce qu'on fait, Dan? Nous la gardons. C'est officiel ou officieux? Officieux. On n'a pas le droit de la retenir, mais trouve le directeur et dis-lui que nous gardons la chambre pour quelques jours. Et qu'il ne pose pas de questions. Il est muet comme une tombe. Qui êtes-vous? Nous sommes de la police. Oh, mon Dieu. Yakov vous a envoyé. Je l'avais prévenu. Où est-il? Je l'ai vu pour la première fois avec Sarah. La chemise. Oh,
Idiote. Chemise. Force Surrender. Force Surrender, c'est le commissariat de la 66e. Qui a tué Sarah ? Une organisation secrète. Dans la brigade, elle a essayé de prévenir Westy. Qui l'a tué ? Je ne sais pas. Que savez-vous d'une chanson ? Le psaume d'Asaph. Pauvre Sarah, chérie. Oui, allô? Bonjour. Tu vois, je t'appelle. Je savais que tu appellerais ce soir. Est-ce que je peux venir? Il est tard. C'est tard. Non, il n'est jamais trop tard. À tout de suite. Tu as l'air d'en avoir besoin. Merci. Quelquefois, il n'y a pas assez d'heures dans une journée. J'ai déjà entendu ça. Parle-moi un peu du fantôme. C'est juste une affaire. Un numéro sur une feuille de service. Tu fais semblant de t'ennuyer sur chaque affaire, mais je n'y crois pas. Celle-là est différente, n'est-ce pas? Première règle, chacun son boulot. Et deuxième règle, je ne parle pas du travail à la maison. Ça ne nous laisse pas grand-chose. C'est seulement un job, pas une vocation. En tout cas, pas comme ça. Tu n'arrives pas à dormir. Tu sais bien que les dépenses physiques m'empêchent toujours de dormir. Alors, essaie de parler. Il y a une heure, tu étais l'homme le plus généreux, le plus amoureux du monde. Et maintenant, regarde-toi. Tu es transformé en bloc de glace. Mais pourquoi, Adam? Pourquoi ça doit toujours être comme ça? Erika, tu sais ce que je suis. Je suis une vraie poubelle. Je dois observer la ville s'enfoncer dans sa merde. Je ne peux pas l'empêcher, ni même la ralentir. Donc, je ferme la porte. J'arrête de voir et d'écouter. Mais tu ne peux pas arrêter les sentiments. Le fantôme. Elle avait un nom.
Son nom était Sarah Essinger. Et elle ne méritait pas de mourir de cette manière. Ça ne peut pas rester qu'un numéro sur une feuille de service. Tu comprends ça? Tu es irlandais, tu es râleur et tu es têtu. Et je peux le comprendre. Allô? C'est Gus. Allô, Gus? Au sujet de la fille, Andrea, elle est morte. Quoi? Un avocat l'a sorti, leur voiture a explosé sur le périphérique il y a une heure. J'arrive. C'est les petites guerres que tu mènes, lieutenant. Oh, c'est pas moi qui l'ai déclaré. Oh, ben, la bonne fête. Tu vois, j'ai un problème, c'est les chefs. Ils perdent leur sens de l'humour. Mais ils sont pas contents parce que les gens se font buter sur les périphériques. C'est mauvais pour les touristes, tu sais. Ils posent plein de questions. Qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi? Et encore plus important, est-ce que ça se reproduira? Qu'est-ce qu'on a? Oh, rien que du vent. Oh, pas de chance, Dan. J'ai besoin de beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de Fort Surrender? Oui, en décembre 1978, un meurtre a provoqué une prise d'assaut de la 66e brigade. 2000 juifs religieux ont réclamé une meilleure protection de la police. Et alors, plutôt que de tirer, la police du 66e a encerclé le Fort Surrender. Andrea m'a parlé d'un type qui porte une chemise imprimée Fort Surrender et de au moins deux flics. Tu sais ce que tu dis? Évidemment, je sais ce que je dis. La preuve? Bon, la preuve, elle s'est envolée sur le périphérique. Ok, où on va maintenant? À la 66e, où tout a commencé. Cette affaire Essinger, je sais pas, c'est comme une arête coincée dans la gorge. Faut la cracher, Dan, elle va nous étouffer tous les deux. C'est une affaire personnelle? Ah bien oui, c'est une affaire personnelle. Pourquoi? Tu connais le genre d'affaires sur lesquelles je travaille. Quand c'est pas la drogue, alors c'est la mafia. Tout le monde s'en fout. De temps en temps, il se passe une affaire qui mérite d'être éclaircie, comme c'est le cas du meurtre d'Essinger. En plus, je n'aime pas qu'on m'empêche de faire mon boulot. Ok, je te donne 8 jours, mais ensuite on classe cette foutue affaire, s'il te plaît. Tu m'enlèves l'affaire? Non, je te l'enlève pas. Que Dieu me protège de te donner un jour un tel ordre. Simplement que c'est mieux d'être jugé par 12 que d'être porté par 6. Capisce? Capisce. Salut, sergent. Lieutenant McDermott des Affaires intérieures. Je veux voir les dossiers des 2 dernières années. Faites comme chez vous. Je vais avoir besoin des tableaux de service, des entrées, des sorties, les transferts. Enfin, tout, quoi. J'ai une mauvaise mémoire. Vous allez être obligé de trouver tout ça vous-même. Si vous gênez mon enquête, en ne m'aidant pas, je vais appeler mon chef. Et dès ce soir, vous serez à Harlem à faire à pied une ronde de 8 heures. Est-ce que je me fais comprendre, sergent? Tout ce que vous voulez, lieutenant. Merci, sergent. Ces trois-là ont débuté à la 66e brigade. Andrea St. James, en faisant référence à Fort Surrender, a tout déclenché. Les archives de la brigade nous ont donné la suite. On a 3 officiers de police. Des patrouilleurs. Mutés en même temps avec les mêmes ordres et au même endroit. Au central. C'est curieux, non? Qu'est-ce que ça veut dire? On a voulu effacer leurs traces, les enterrer. Trouvez-les. Comment? Ils sont enterrés.
Je ne pense pas que ceux qui ont voulu planquer ces trois mecs soient allés jusqu'à s'occuper de leur vie privée. D'accord, procédure 1, page 4, paragraphe 6. Règlement des résidents. Les officiers de police sont tenus d'habiter dans la ville de New York, ou Westchester, ou Rockland, Orange, Putman, Nassau, ou le comté de Suffolk. Quel travail de merde. Pas vraiment. Choisis un nom dans l'annuaire du téléphone. Vérifie chaque comté. Si tu en trouves un, j'ai l'impression que les deux autres suivront. Mais souviens-toi de ça. Ce sont des flics. Et ne... Faites pas les cons, oui. Voilà tes adresses. Tu avais raison, ce sont des entrepôts. Et pour être exact, il y en a 5. Est-ce que quelqu'un de chez vous a pu jeter un coup d'œil à l'intérieur? Non, ce sont des prêtres et non des voleurs. Merci, Mac. Ah. Je te remercie beaucoup. Au fait, on a trouvé quelque chose. Des munitions de 9 mm venant d'armes automatiques. C'est illégal, excepté pour les militaires. Autre chose? Toutes ces adresses représentent des sociétés bidons. Gardées 24 heures sur 24. C'est une affaire de pro, Dan. Est-ce que tu as des contacts avec la synagogue? Oui, nous avons des amis partout. Pourquoi? Le cantique d'Assaf. Je voudrais une copie. Ah, oh, la religion n'a jamais été ton point fort, Dan. Comment ça? Eh bien, le cantique d'Assaf est dans le 38e psaume. Ça, au cas où tu l'aurais oublié, c'est dans l'Ancien Testament. Et qui était-ce? Il était poète à la cour du roi David. Il écrivait surtout sur le feu et le soufre, les rivières de sang, la vengeance du roi, toutes sortes de choses. Ils étaient mortels, un vent qui souffle et ne revient pas. Sa plus grande crainte était la destruction d'Israël. Ça te va? Ah oui, merci. Détective Strom. Gus, c'est moi. Oui, chef, si vous voulez. La Bible d'Essinger. Elle est dans le tiroir de mon bureau. Bien, chef. Oui, je l'ai. Je veux que tu lises le 38e psaume. Regarde s'il n'y a aucune marque ou rien de souligné. Ah oui, il y en a une, là. Gus, lis-le-moi. Regarde, tes ennemis sont en moi. Ceux qui te haïssent ont relevé la tête. Ils disent, viens, éliminons ce peuple, que le nom d'Israël soit oublié pour toujours. Merci, Gus. Qu'est-ce que ça veut dire, Dan? Des entrepôts répertoriés en hébreu? Des armes militaires, l'Ancien Testament? Dans quoi vous êtes-vous fourré, vous? J'aimerais bien le savoir. Anderman. Un flic, vous l'abandonnez jamais. Un équipement de haute précision industrielle. Qu'est-ce que vous voulez? Yakov vous a envoyé. Je l'avais prévenu. Elle vous a appelé?
Et votre avocat fait le reste. Qu'est-ce que c'est? J'ai une voix sur un magnéto. Vous n'avez rien, là. Une organisation secrète dans la brigade. Elle a essayé de prévenir Westy. Prenez votre magnéto et foutez le camp. Je vais vous poursuivre. Vous, la police, la ville, vous me harcelez. Qu'est-ce qu'elle essayait de découvrir, Anderman? Qui est Westy? Le psaume d'Azaf. Sarah, chérie. C'est un avertissement. Une menace. Pourquoi? Dis donc, flic, vous êtes à cran? Où avez-vous trouvé ça? Dans les 5 entrepôts. Voilà où elle se trouve. Une liste codée, en hébreu. Et elle est morte pour cette liste. C'est quoi l'organisation? Et qu'est-ce que la police a à voir avec cette histoire? Flic, vous avez les questions, mais vous n'avez pas les réponses. Vous êtes encore à la recherche de la toile qui mènera à l'araignée. Je suis sûr d'une chose. 3 personnes ont été tuées. Parole de flic que je découvrirai celui qui les a flinguées. Et je vous dirai une autre chose. Je dégommerai quiconque est impliqué. John Harrison Burke dans 3 heures. Il est dangereux, Yakov. Il va foutre en l'air toute l'opération. Je vais vous le dire, les mecs, elle va le faire inculper. Comment a-t-elle pu l'agresser? Il pèse au moins 110 kilos. Eh oui, elle a 12 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, là? Je vais vous parler. Lieutenant, comment définissez-vous l'adjectif loyal? La loyauté au boulot. Pourquoi? Parce qu'apparemment, vous essayez de détruire ce service. Je ne laisserai pas tomber l'affaire Essinger. Comment saviez-vous que j'allais vous le demander? C'est le patron d'Essinger qui vous l'a soufflé.
Je l'ai rencontré avec d'autres personnes. Parce que lui aussi veut enterrer l'affaire. Vous ne voulez pas vous arrêter? Vous pensez que toutes les histoires de meurtre démarrent dans la rue? Non, pas du tout. Elles se passent ici même, avec l'extrême droite et les cinglés de gauche. Les uns veulent qu'on encourage l'anarchie, les meutes et le meurtre. Les autres veulent faire émarger leurs potes à notre budget. Plus de capitaines et de lieutenants. Des directeurs civils. C'est le panier de crabe. Regardez ce qui se passe autour de vous. Nous avons des flics qui ne peuvent pas communiquer. Certains d'entre eux pèsent moins de 50 kilos. D'autres n'ont pas la force de tenir un revolver. Ils ont même laissé tomber la taille réglementaire. On va finir par devenir une police de nains. On pédale dans la semoule. C'est mon boulot de garder l'unité et le bon fonctionnement du service. Et je le fais. La plupart du temps. Mais pas sans aide. Vous comprenez ça? Je comprends que 3 personnes sont mortes. Et que des flics sont impliqués. Je vous donne 24 heures pour en finir avec l'affaire Essinger. Pas plus. D'accord, le premier en tête de liste est Edwin Bronson, surnommé Nuto par ses potes, un grand alcoolo. Bon, il n'aime pas grand-chose, spécialement les gens. Ensuite, James Kelly. Alors lui, c'est de la broutille. Il aime foutre les menottes et tordre les poignets. Le dernier, mais pas le moindre, Joseph Stenner. Lui, c'est le cerveau des 3. 4 fusillades, 3 disparus. Accusé de brutalité gratuite. C'est le service d'opération spéciale commando tactique de notre bien-aimée police de New York. Voilà où nous en sommes. Peut-on les mettre en mission? Impossible, chef. On a besoin d'un tank pour traverser ces grilles. Le reste de l'unité OSD est légitime. Transfert normaux, mission normale. Brave mec. Il y a quelque chose d'autre. Stenner a un surnom, Westy. Il se déplace en Cadillac rouge. Qui est notre serrurier de service? Là, je l'ouvrirai avec un cure-dent. Mais bon, il n'y a pas d'alarme. Si on peut dire quelque chose sur Stenner, il a vraiment des goûts de luxe. Ouais. Bon, c'est emmerdant que si on trouve quelque chose, ça ne sera pas valable sans mandat de perquisition.
Dan, 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 où étais-tu? Ah, Maurice, t'as déjà dit de ne pas faire ça. Oh, ça va, un peu de tendresse ne fait de mal à personne. Même pas un lieutenant détective new-yorkais. Je te présente mon ange gardien, mon cher. Un jour, il m'a sorti d'un tas d'ennuis. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Des policiers? Ouais, quatre. J'ai besoin de connaître la situation financière de deux d'entre eux. Tu vois ce numéro? Je crois que c'est celui d'un compte en banque. Bien sûr, la banque saison de la Martinique. Avec un nom aussi important et avec un numéro de compte comme ça, j'aurais pas besoin des allocations familiales. Je vois un salaire de flic qui a grimpé. De 500%. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette adresse? C'est de l'immobilier. C'est lié à ton patron, Zanglin. Celui du quartier Est? Qu'est-ce que c'est? À qui ça appartient? C'est sous le nom de Simonson Optical Division. Registre étranger. Tu peux trouver une connexion avec Zanglin? Ah, je peux essayer. Si tu y arrives, je t'embrasse. Oh. Encore une fois, cette fois-ci, bougez votre cul, vous êtes en retard de 30 secondes. Hey, c'est bien les mecs, allez, on va recommencer. Député chef Whitney Zanglin. Lieutenant Malone Daniel Bean, vous êtes en avance. La curiosité. Votre opération SOD a une drôle de réputation. Oui, vous aussi. Vous êtes une tête brûlée à ce qu'on dit. Vous aimez bien vous battre contre des moulins à vent. J'aime ça. Je vois pas de moulin ici, même pas un dragon. Plutôt genre militaire. Ça doit l'être. Ce commando est la première ligne de défense de la ville. Il peut se mesurer n'importe quel régiment dans le monde. Je ne savais pas qu'une armée voulait envahir New York. Ça a déjà été fait, lieutenant. Ils avaient même leurs propres armes et toutes leurs munitions. D'où l'utilité d'un camion, d'armes et de munitions. Sachez que je suis prêt à relever n'importe quel défi. Dans mon bureau, dans 10 minutes. Allez, qu'est-ce que je peux faire pour vous, lieutenant? J'essaie de localiser 3 officiers et j'ai de bonnes raisons de croire qu'ils sont sous vos ordres. Pourquoi les voulez-vous? Ça fait partie d'une enquête conduite par mon équipe. Leur nom? Edwin Bromson, James Kelly, Joseph Steiner. Aucun d'eux n'est affecté au SOD. Est-ce possible que vous vous trompiez? Je connais chaque homme affecté à mon régiment, lieutenant. Mais si ça peut vous rassurer, voici mes effectifs. Merci. Comme vous dites, lieutenant, il n'y a aucun dragon ni moulin à vent ici. Mais il y a peut-être une possibilité pour un homme qui aime abattre des murailles de temps en temps. J'ai déjà ma brigade, chef. Merci. Il y a peut-être un nom à vérifier. Il est peut-être sous vos ordres. Capitaine Madvik. Ah, ce n'est pas votre bonjour, lieutenant.
Merci de votre gentillesse. Votre honneur. Comment saviez-vous que j'étais ici? Je suis détective. Ok. Que me voulez-vous? Et pourriez-vous me signer un mandat de perquisition pour un vieux vétéran de guerre? Oh, c'est vraiment pas le moment de me demander un mandat de perquisition. Venez me voir dans mon bureau. Elle vous attendra. Juge Niarxos. Juste une minute. Y a-t-il une chose que vous ne savez pas? J'ai les papiers ici, je les ai remplis moi-même. Comment va Markel? La meilleure secrétaire que j'ai jamais eue. Une sacrée bonne femme. Elle me rappelle une fille que j'ai rencontrée quand je fus parachuté en Grèce pendant la guerre. OSS. Période difficile. Je suppose que si mon nom était Goldberg, vous auriez dit que vous vous êtes battu avec le Haganah. Avez-vous utilisé une table d'écoute illégale dans cette affaire? Votre honneur. C'est une petite affaire. Et pourquoi la demande de perquisition? Nous avons des raisons de penser que Joseph Stenner a des armes planquées quelque part. Ok, Gus. Ça doit être fait dans les 10 jours. Aujourd'hui, Allah vous accorde 10 grâces. Une seule suffirait. Chin-chin? Chin-chin. Je suppose que tu m'invites pas à bouffer simplement pour boire ma santé, Dan. Alors quoi? Qu'est-ce que tu sais sur le député chef Whitney Zanglin? Il a de bonnes relations en ville. Ouais. C'est un tueur. Il a jamais progressé parce qu'il a établi ses propres règles. Zanglin aime danser la tarentelle sur la tête. T'as entendu parler de la division rouge? Une rumeur, sans plus. Cette division était une planque pour le service des renseignements. Leur boulot était de s'infiltrer au groupe des révolutionnaires, un boulot de ce genre. Je pensais que c'était le rôle des SOD. On peut y voir. C'est une autre division, tu piges, Zanglin sait lui, tout ça. Zanglin tire de l'argent d'un compte spécial. Mm-hmm. Ça s'appelle le Simonson Optical Division. Mm-hmm. Les chèques sont acceptés par une bande martiniquaise. Simonson Optical Division, c'est les initiales de Spécial Opération Division, ça. Il s'en est servi comme prête-nom pour acheter l'interlude. C'est le club où j'ai trouvé Andrea St. James. Mm-hmm. Et son directeur général est un des meilleurs flics de New York, l'officier Joseph Stenner. Et alors? L'organisation dans la brigade. Zanglin s'en sert comme son unité d'attaque. Ils ont tiré sur les filles Eisinger et St. James, et je te parie que ce n'est pas terminé. Ça sent pas bon, là. Ça doit être une sale affaire, tu pourras rien prouver au tribunal. Je te parie que tu n'obtiendras qu'un billet pour l'enfer ou même pire. Donnez-moi un autre verre de vin, s'il vous plaît. Et c'est pour vous, il dit que c'est très important. Oui, Malone. Oui, sergent. Je vais y aller. Qu'est-ce qui se passe? C'est Erika, elle a eu un accident. Attends une minute, Dan, je vais te conduire, moi. Mon Dieu, Dan, t'es énervé. Laisse-moi conduire. Fais attention. Elle va bien. Le coup de fil était un piège. Le docteur dit que tu t'en sortiras. Tu dois avoir le crâne rudement solide. T'as juste un traumatisme. T'as eu de la chance. Mais Zambrano n'en a pas eu, lui. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai visé. Ma couette t'attend avec Anderman. Quand tu iras mieux. Je me sens bien. Oh, t'en es sûr? Oui, Gaff, j'en suis sûr. Tu m'as porté mes affaires, s'il te plaît. Stenner, Bronson et Kelly se cachent depuis hier soir. J'ai demandé du renfort.
Rien d'autre? Dan, comment te sens-tu? On vient juste de me le dire. Bon, je vais voir le renfort. Oh, tu ne devrais pas te lever. Il t'arrive toujours quelque chose. Dan, n'y va pas. Je dois y aller. Je n'ai pas le choix. Ils ont tué Nick. Tu as ta brigade, laisse-les y aller. Mais où pensez-vous aller? Je m'en vais. Mais le docteur a dit... Dan, s'il te plaît. Erika. On en a déjà parlé. De ton point de vue, à toi, oui. Ton monde irréel, sans loi et sans code, c'est un boulot de merde qui a détruit notre mariage et maintenant voilà ce qu'il en reste. Et notre serment de nous chérir pour le meilleur et pour le pire. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Dan? Je suis désolé. Bateau depuis le premier jour. Et maintenant, c'est fini. Je veux une réponse. Il a raison. Plus de promenades dans le parc. Plus de réunions secrètes. Un flic a été tué hier soir. Maintenant, carte sur table. Comment cette tuerie a-t-elle commencé et comment y avons-nous été mêlés? Au départ, c'était une petite affaire. Et puis, comme des éléphants qui se déplacent, beaucoup de bruit, une petite secousse, tout se passe à un échelon supérieur. Et cette fois, c'est la mairie. Ces cinglés ont plastiqué un immeuble à Wall Street. Les grands financiers ont hurlé. On a ordonné à la police de former un commando antiterroriste il y a quelques années de ça. Qui est-ce? Zhang Lin avait besoin d'un entraînement spécial. Et puisque nous n'avions pas Lawrence d'Arabie sous la main, j'ai cherché des experts. Hong Kong était chargé des armes automatiques et aussi des explosifs. Singer s'occupait du décryptage, de linguistique. Plus tard, j'ai utilisé Saint James pour qu'elle espionne pour notre organisation. Quel était votre prix pour ce service? Que j'obtiendrai des entrepôts pour mon matériel, sans que pour cela on me pose de questions. Quand cela a-t-il mal tourné? Zhang Lin a découvert les entrepôts et il a formé sa propre unité de combat. Et ils ont coincé Singer parce qu'elle avait la liste des entrepôts. Je suis arrivé trop tard. Quoi, vous étiez dans l'appartement? Oui, mais elle était déjà morte. Il n'y avait plus rien à faire. Elle a été torturée. Et elle n'a pas parlé. Oui, elle vous ressemblait, elle était têtue. Tout comme vous. Qui êtes-vous, Anderman? Qui était Essinger? Qui je suis n'a pas beaucoup d'importance. Elle, c'était une idéaliste. Ce qui est important, ce sont les quatre meurtres. Si vous avez quelque chose contre Steiner, arrêtez-le. Trop tard. Il se cache depuis hier. Lancez un avis de recherche. Amenez Bramson et Kelly aussi. Et Zhang Lin? Zambrano avait raison. Pour le moment, il n'y a pas de pièce à conviction. Mais si on coince Steiner, il y en aura. Qu'est-ce que je fais de ma mission? C'est terminé, Anderman. Votre mission est terminée. C'est officiel. Transmettez l'ordre. Mais McQuad... Vous l'avez entendu, il dit que c'est terminé. Au moins pour la partie officielle. Très bien. Vous auriez dû faire aussi bien hier soir. Ils se sont trompés. Ils ont descendu dans Brano. D'abord Essinger, ensuite Saint James, maintenant Zambrano. Vous savez ce que ça veut dire, assassin? Kelly, Bramson, Steiner, ils vont pas porter le chapeau. Ils vont vous faire tomber avec eux. Sortez.
Vous avez éliminé Singer parce qu'elle a découvert la liste et deviné le reste. C'est vous qui avez tout organisé, hein. Si vous détruisez les entrepôts, vous découvrirez l'accord secret que Matt Quad a conclu avec un gouvernement étranger. Ils ne vous oublieront pas cette fois-ci. Vous allez enfin pouvoir prendre votre retraite. Foutez-moi le camp, Malone. C'est terminé, Zanglin. Vous avez perdu. Anderman fera la une dans 24 heures et j'ai un mandat d'arrêt pour Stenner. Et puis j'irai à la recherche des deux autres. Et après, je viendrai vous arrêter. Vous n'allez tout de même pas me tirer dans le dos. Zanglin. Le renseignement était juste, chef. Ils ont stocké du gros matériel et ils sont prêts à partir. Nous attendons qu'ils bouclent et on va y aller. Presque trop facile. Nous faisons exploser les entrepôts et McQuaid sera coincé. Ils nous accrocheront des médailles. Chef! C'est Malone, chef! On s'est fait piéger. Patron! Il a marché, Dan. Il a mordu à l'hameçon. Apportez-moi ce bazooka. Tenner, sortez de la voiture! Avancez les mains en l'air! Vous êtes en état d'arrestation! Qu'est-ce qu'on fait, chef? On est coincé. On est dans un tank, on a des bazookas et des munitions. On pourra aller partout où on voudra. Thank you.
Dan, couche-toi! Avance, vas-y! Papiers et son écusson. Sa place est à la division. Emmène tout ça là-bas. D'accord. Ça ira pour la prochaine édition. Mais minimisez l'affaire. Compris, vous m'entendez? Je ne veux pas de gros titres et pas de référence au poste de police. Pas de nom. Oui, oui, c'est d'accord. Bon, alors, voilà l'article. Les meilleurs policiers de New York ont arrêté une attaque terroriste contre un camion blindé. Le chef Whitney Zanglin et trois de ses hommes sont morts dans la dernière attaque. Un détective a aussi été tué en faisant son devoir. C'est tout. Faites-le parvenir tout de suite. Ça ne pouvait pas se passer autrement, lieutenant. L'utilisation d'armes était justifiée. Il n'y aura pas d'enquête départementale. Je pense quitter les lieux aujourd'hui. Je suis désolé pour le détective Stamm. Les politiciens sont tous les mêmes. Seul leur visage change.
Moi aussi, je suis désolé pour votre ami. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Stocker ailleurs les machines industrielles. Trouver une autre Essinger. Oh, ce qu'on fait ne change pas. Seul changent les décors et les cimetières. L'important, c'est de ne pas être seul à l'enterrement. Il y a une chose sûre. Je vais éviter les flics comme la peste. Santé. Santé. Ça coule. J'espère que tu l'aimeras. Ah, au moins, ce n'est pas à la menthe. J'ai horreur de ça. Si on faisait la paix. La paix.